Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Vanguard, consacrée au déblocage des récompenses ultimes du pass de combat de la saison 2. Et vraiment, ce pass de combat, on peut le dire que je l'ai speedrun. Car au moment où je tourne cette vidéo, ça fait seulement 2 semaines, jour pour jour en plus, que la saison 2 a commencé. Et du coup, au bout de 2 semaines, le pass est déjà terminé. C'est complètement invraisemblable. Après, bon, le fait que j'ai commencé le pass au palier 19, hein, je vous le rappelle, vous pouvez voir ça avec la découverte de cette saison 2, mais aussi par la même occasion qu'on a eu du double XP de pass de combat durant 10 jours à peu près, c'est ça? Même plus de 10 jours. Oui, forcément, ça fait le boulot. Et ça fait que voilà, on se retrouve déjà au palier 100. C'est du jamais vu, c'est un record qui sera jamais battu, je pense. Hein. Je pourrais jamais compléter un pass aussi rapidement. Même si vraiment, à chaque fois, là, depuis Black Ops Cold War, j'ai limite à chaque saison, j'arrive à être de plus en plus rapide depuis l'année dernière. Mais je pense vraiment saison 3, non, on n'arrivera pas à être plus rapide. Je dis ça et finalement, dans quelques semaines, on se retrouvera pour le déblocage des récompenses ultimes du pass de la saison 3. Et je vous dirai... Bon, la saison a commencé depuis 1 semaine et demie. Ah tiens, c'est intéressant. Alors, quelles sont du coup les récompenses que l'on va débloquer? Tout d'abord, on a le skin Mirage Blanc pour Anna. Alors, il y a un truc particulier avec ce skin, j'ai cru comprendre qu'il y en avait deux des skins, même si on peut pas avoir de deuxième skin après quand on va dans la section des skins de Anna. Mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait un deuxième, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Parce qu'il parlait de cela justement quand il y avait un bug à la sortie de cette saison 2, où vous savez, il y avait deux skins qui se superposaient au niveau d'Anna pour le palier 100. En fait, il semblerait que c'était les deux skins de ce palier 100. Donc on va voir, peut-être qu'il y a un skin caché qu'au final on ne voit pas, et on le voit uniquement une fois que bah, tu as atteint le palier 100. Je suis plutôt intrigué. Ensuite, autre récompense, c'est la variante sur la KG M40, c'est bien ça. J'ai toujours pas le nom de cette arme, hein, c'est fou. Hein. Attends, je vérifie maintenant pour être sûr que je ne me trompe pas. Oui, c'est bel et bien la KG M40, donc le nouveau fusil d'assaut qu'on débloque... au palier 15 hein, précédemment, donc là on a cette petite variante qu'on va pouvoir débloquer, qui est pas dégueulasse, et justement j'étais intrigué de voir le rendu in-game, donc on verra ça, et ouais, j'ai regardé rapidement, mais sans non plus trop comparer, mais en plus elle a l'air d'avoir pas mal d'accessoires très intéressants. Et ça c'est assez rare, donc on verra ça dans quelques minutes, mais si elle a les bons accessoires d'office, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je vous ai même pas montré aussi l'aperçu de plus près, même si bon, on va le débloquer dans quelques secondes, mais je vous montre quand même l'aperçu voilà, du skin. Maintenant qu'il est plus buggé, c'est quand même mieux. Il a quand même un certain style, faut avouer. Après ça, on a du coup Alpiniste en titre, un peu moins intéressant. On a du coup le logo de cette saison 2 en emblème, et on a également le logo de cette saison 2 en porte-bonheur, voilà, accroché à nos armes, et ça c'est très stylé parce que c'est un logo des plus classes. Il est temps donc d'atteindre ce palier 100, alors d'une manière un peu étrange, parce que vous pouvez voir que je suis niveau 98, mais j'ai qu'un seul jeton de passe de combat, donc là je vais pas être palier 100. Bah, on va payer le dernier palier avec des points code. Pour la simple et bonne raison que, initialement, moi j'avais prévu, oui, de vous faire dans tous les cas la vidéo maintenant, là au moment où je la tourne, mais j'ai eu un petit problème, c'est juste avant, les serveurs étaient KO. Du coup j'ai pas pu terminer le niveau comme je le devais, pendant le double XP de passe, et là, bon, du coup, flemme ouais, de compléter ça en faisant je sais pas combien de parties, parce que c'est long quand même, hein, sans le double XP de passe. Donc je vais payer tout simplement le dernier palier. Tant pis. Tant pis, tant pis. Non, je suis obligé de décaler le règle de la vidéo pour demain, et non, j'ai la flemme. Clairement la flemme. Après, attends, on n'a pas... Non, ça aurait été le bon truc, mais je sais pas d'où il serait sorti, mais oui, si on aurait pu avoir 2 jetons de passage de niveau, ça aurait été top. Bon, après, le bon côté des choses, c'est qu'on sera à 3000 points code pile-poil. J'avoue, c'est beau, du coup, pour la symbolique. Et du coup, ouais, dernier palier, je l'achète comme ça. Alors qu'il me reste rien, pourtant, pour le débloquer. Hein. Ah, mais la flemme, parfois, regardez ce qu'elle provoque. Elle provoque ça. Mais elle provoque aussi un déblocage. C'est pas mal, c'est pas mal. Let's go! Le palier 100 du pass de la saison 2. Et voilà, toutes les récompenses qui sont acquises. On va laisser, du coup, le skin en dernier, parce que c'est là où on a le plus gros des suspens. Non, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Alors, déjà... Titre de joueur, alpiniste. Allez, on va le mettre. Même si je remettrai mondial un peu plus tard, moi. Emblème. On a du coup celui du palier 99 et celui du palier 100. On va le mettre aussi, celui du palier 100, on en profite. Avec ça, du coup, on a la KG M40. Sa variante, plus précisément.
Bon, de toute façon, comme d'habitude, je ferai les petites modifications là pour quand même que mes accessoires que j'ai habituellement sur la KGM40 correspondent à l'arme. Mais normalement, on a quand même déjà de très bons accessoires. Je pense que je vous dirai ça du coup quand on commencera le premier gameplay, parce que là on va peut-être pas non plus trop vérifier, ça pourrait prendre du temps. J'ai un truc nouveau là. Ah bah oui, du coup il y a le porte-bonheur. Forcément, le petit porte-bonheur qui est là. Attends, si je peux regarder rapidement, genre là, regarde. Le truc principal, je dirais, c'est canon limite, canon, chargeur, cross. Parce que les autres accessoires, ils changent pas trop l'apparence de ton arme. Donc si ces trois accessoires sont déjà bons, on est bon. Donc en canon, du coup, j'ai le 700mm 01. Ok, on a du coup celle-ci en cross et on a le 50. Je crois que vraiment c'est les trois accessoires qu'on a en plus sur la variante, c'est fou hein. Mais je crois que pour une fois on est en mode beaucoup trop bien. Parce que si on vérifie, on a le bon canon, on a la bonne cross. Ah, on n'a pas le bon chargeur par contre, non, c'est pas le bon chargeur parce que du coup c'est pas trop grave. Au pire, bon, on verra pas, c'est vrai, le beau chargeur, mais le bon chargeur c'est celui-ci. Celui qui permet d'augmenter les dégâts. Même si dans ma deuxième classe, j'utilise ce chargeur. Donc en vrai, on n'est pas non plus si mal que ça, tu vois. Hein. Et après, bon, pour le reste, il y a peut-être quelques modifications. Mais l'ossature principale des accessoires est presque inchangée. Magnifique, ça. Et si tu mets un camo, ça donne quoi, du coup? Curiosité encore. Bon, tu vois plus rien, du coup. Hein. Enfin, quasiment plus rien. Donc, ouais, c'est pas fou. C'est quand t'as une variante comme ça, faut pas mettre de camouflage. Et du coup, maintenant... Anna, est-ce qu'on a deux skins? Non! Après, c'est peut-être buggé, on y a vraiment un deuxième skin, s'il se débloquera plus tard, du coup, mais pour l'instant, il n'est pas accessible parce qu'il y a un bug. Parce que j'ai vu ça passer sur Twitter, il parlait de deux skins au palier 100. Peut-être qu'il y a un truc en particulier à faire pour le débloquer, je sais pas. Mais en même temps, il y avait un skin qui se superposait, et c'est aucun des skins qui sont là, donc c'est aussi bizarre, tu vois. Mais bon, on va se contenter de Mirage Blanc, qui est, comme je l'ai dit, est stylé. Seul reproche peut-être que j'aurai à faire, c'est le masque à gaz. Sur Apple, le masque à gaz, ça aurait été masterclass. Mais en vrai, même avec, ça va. C'est pas dégueu, il était quand même plus beau. Celui de Francis du palier 100, mais ça va celui-ci. Hein. En vrai, on n'a pas trop à se plaindre. Enfin, ça fait plaisir, putain, déjà, ceci qui est débloqué, c'est magnifique. Alors du coup, pour cette vidéo, en termes de gameplay, je me suis dit pour changer, ce serait sympa de faire du contrôle. Donc on se fera sûrement deux parties de contrôle avec forcément la variante de la KG M40 et pas MP40. Donc voilà, moi je vais faire mes petits ajustements au niveau des accessoires, notamment pour qu'on ait quand même une KG M40 des plus efficaces. Et une fois ces choses faites, on se retrouve directement pour du gameplay en contrôle. Et c'est parti sur bocage en rythme tactique 6v6. Mais n'empêche, c'est fou de se dire qu'avec cette variante qu'on obtient en palier 100, bah limite, t'as la KG M40, elle est niveau 1, t'as jamais joué avec, tu prends du coup la variante, bah t'as direct tous les accessoires qui sont débloqués, hein. Bon, il y a peut-être quelques exceptions, notamment le chargeur, mais à part le chargeur, t'es beaucoup trop bien en fait. Ça j'avoue que c'est une très très bonne chose, une très très bonne récompense. Allez, c'est parti du coup avec cette dernière. Jamais fait par contre, je sais plus si j'ai déjà fait du contrôle ou non sur bocage. On est en attaque. Ah, ah, c'est pas le truc le plus avantageux hein, de commencer une attaque, mais on fera avec. On va se débrouiller. J'espère qu'on va se débrouiller. Bon là, le meilleur plan, c'est d'attaquer A ou B. Du coup, je sais même pas exactement où sont les points. Hein. B, il est au middle, là. Ah non, ok, il est derrière. Hein. Il est en dessous. Et A, il est dans la maison. Ah, il me paraît du coup plus simple à prendre. Hein. Il me paraît plus accessible. Enfin, plus accessible. Ouais, plus facile surtout à défendre une fois qu'on sera à l'intérieur, quoi. Après, c'est plus facile à défendre aussi pour eux, pour la même occasion. Je ne sais plus trop. Mais bon, si les alliés, ils y vont pas, là, on pourra rien faire. Hein. C'est pas moi qui vais capturer tout seul. Et on le sait très bien, si on capture pas, ce sera déjà une fin de manche. Hein. Oh putain, ils nous attendent au tournant, là, en plus, les ennemis. Ouh là là, attention. Ouais, alors lui, ok, je retourne plus, là. Attends. Mais... Wouah, carabine Cooper, parfois. Hein. Ce qu'elle nous met, aussi. Bon, bah, je crois qu'on a déjà perdu la première manche, hein. Ils n'ont pas eu besoin de faire grand chose, hein, les ennemis. C'est juste que, bah, on n'a rien à capturer. On va prendre quelque chose là, mais. Oh, vas-y. Je fais mes pires alliés, c'est pas possible. Est-ce qu'il y en a un. Bah, non, il n'y en a pas un seul qui allait sur un point. La réponse à ma question est très très simple. Je suis le seul à y être allé, donc, oui. Moi, je suis sûr qu'on n'est pas dans les bonnes conditions pour essayer de rivaliser un minimum là. Hein. C'est révoltant. C'est complètement révoltant. Bon bah, ça va pas être la game la plus passionnante, hein, si ça capture pas.
T'imagines, ils font pareil du côté adverse. La game, y'aura jamais personne qui va capturer, ça va durer à limite 12 secondes du coup. J'abuse, mais voilà quoi. Même si là j'essaye avec B, mais ouais, voilà, un petit soutien c'est plus qu'appréciable. En vrai, à deux, y'a peut-être moyen qu'on l'ait. Hein. Non. Vas-y, allez, il finit le travail. Oh, il a même pas fait deux tiers, je crois. Il a pas fini les deux tiers. Ah non, les carottes sont cuites, hein. Malheureusement, là, ouais. Oh là là. Aucun effort, les alliés, aucun effort. Il y a le premier, voilà, qui nous a épaulé, qui nous a aidé, mais on était les deux seuls, hein. C'est lui, sûrement, qui était. Ouais, c'était lui, voilà, qui était avec moi. Mais à part ça, bah, y avait personne d'autre. Bon, bah, j'espère qu'ils vont faire la même, les ennemis, comme ça, nous, on va pouvoir tranquillement enchaîner les kills sans pression. Quoique, non, si je veux enchaîner les kills sans pression, il faudrait qu'ils capturent, du coup, un point de contrôle. C'est l'inverse, en vrai. Ah oui, parce que sinon, on va se terminer encore en 2-2. Bon, allez, on va essayer de déjà d'attendre à B pour voir. Ah, ça arrive, hein. On va pas du pré-shoot, enfin, même s'il y a la ligne, on va pré-shoot, de toute façon. Dans tous les cas, hop. Ah oui, par contre, c'est vrai que du coup, là, j'ai mes classes de ma précédente vidéo, dans le mode overclocking tactique. C'est vrai que du coup, j'ai l'armure et compagnie, là. Peut-être pas le mieux à avoir, mais bon. Mais bon, là, ça me sauve, tu vois, d'avoir l'armure, je serais sûrement mort, ça. Ouais, je vais attendre, parce que je crois que ça va arriver. À mon tour de vous attendre. Surtout toi, là, avec ton skin crampousse, là. Chacun son tour. Bon, attends, là, ça passe, je crois, sur le côté... Pas encore, mais quasiment. Oh, le pré-shoot! Oh, le pré-shoot était bon! Oh, je l'assiste, ok, c'est bon. Oh, le pré-shoot était bon, de la thermique, ça a touché, quoi. Toi, je t'ai vu. Ah, je vous dis, ça va être la même, hein. Ils vont pas capturer, hein. Bah, peut-être qu'on défend bien, aussi, hein, pour ma décharge. Peut-être qu'on a une bonne défense, qui fait qu'ils n'y arrivent pas, du coup, mais... Aïe. Parce qu'un seul point sera capturé dans cette partie, pour l'instant, compliqué à dire, hein. Compliqué à parier là-dessus. Pour... Hop, derrière. Oh putain, il avait de l'armure, on l'a comme fumé. Ouais, en même temps, avec AGM-40, c'est pas une mauvaise arme. C'est pas la meilleure arme aussi après. Mais c'est une bonne arme. Elle se débrouille plutôt bien. Ah, ils sont en train de capturer là. On va tenter de prendre le back, même si là. Oh, ouais, il spawn ici en fait. C'est un peu l'endroit à la con, mais je crois que je suis pas grillé. Hein. Non, je suis clairement pas grillé, moi, tout va bien, t'inquiète. T'inquiète, on se fait pas de soucis, nous. Hein. Ça va revenir. Oh, il m'a pas vu. Putain, il a même pas vu lui, alors qu'il sait pourtant que je l'ai tué ici, quoi, je sais pas. Trop infiltré dans leur spawn, là. Hein. Bon, bah, assurer les chiens, il reste un kill. Et j'ai l'armure, donc vraiment, j'ai tout pour y arriver. Même si les ennemis, là, je sais pas où ils sont. Ils sont à B. Bon, attends, on va avancer, on va aller chercher, hein, s'il faut. Il est où, le mec? Mais forcément, je les trouve plus, maintenant. On manque de vie. Tu vas voir que je vais pas l'avoir, les chiens. Normalement, ah, quoique. Est-ce que j'ai encore mon armure là, malgré le changement de manche? Même pas sûr, hein. Oh, je vais me faire douiller mes chiens, oh, j'y crois pas. Je crois que j'ai pas parce qu'il y aurait le logo. Je sais même plus où le logo de l'armure, mais je le vois pas, donc je me dis qu'on l'a pas, hein. C'est merde. J'ai perdu mon armure, hein. On va attendre comme ça, je pense, même si on peut se faire aussi liquider. Surtout pas le crampousse là, il nous l'avait déjà fait. C'est bon, on a les chiens, bah du coup on les met direct, hein, parce que vu qu'on est fait un début de manche, en plus on est en attaque, c'est peut-être ça qui pourrait nous permettre de gagner, hein. Oh les gars, je vous mets bombardement plus chien, maintenant on l'emporte, hein, hors de question de passer à côté là. Vas-y, on va tenter B, je veux au moins qu'on capture un point, c'est bien, un point, je suis encore tout seul quoi. Imagine les chiens ils viennent sur le point, ça t'aide à capturer, ça serait trop bien, mais non, ça fonctionne pas. Hein. Allez, là à 3 ça peut aller vite. Hein. Voilà, tu vois, ça va très vite à 3. C'est pas grand monde hein, pour capturer un point. On était même 4. Voilà, enfin, objectif accompli. Maintenant on enchaîne. On enchaîne avec. Oh là, on leur coupe bec là, une bonne fois pour toutes. Attends, on a gagné. Non, je suis pas sûr non, qu'on ait gagné la partie, quand même pas. En chopant ce point, mais on a une bonne option. Oh putain, c'est les deux. Oui, parce que ça fera 2-1, donc il faudra remporter la défense, c'est pas le plus compliqué, quoi. Donc on a quand même une très bonne option vers la victoire. Même si, bon, c'était le plus facile de capturer un seul point, parce que maintenant, ils vont être tous sur ce point-ci à défendre, on le sait. En soi, on a juste fait le plus facile, et pourtant, c'était compliqué. Voilà, hein, c'est le plaisir. Voilà. Ah ouais, tu vois, pour l'instant, j'arrive même pas à approcher le point. Hein. On a le temps.
Mais combien de temps encore on aura le temps? Eh ben, pas énormément. Déjà, ça fait plaisir, les alliés ils foncent plus sur le... Ça c'est déjà beaucoup mieux. Ah mais après attends, on peut les avoir niveau vie, il y a 13, 9, 12, 9 maintenant. Enfin, j'avoue les chiens et tout, oui, donc ils tapent aussi en termes de kills. Hop. Ouais, il faut essayer de leur bousiller les vies avant la fin. Hein. Je pense là c'est large possible. Hein. Jure non, il y avait un gars là. Combien là c'est... Oh, mais... Il y a 7-8. Oh non. Oh non, oh non, oh non. Oh, ça va être serré. Ça va être très très serré là. Faut surtout pas sortir. Attention, il y a le... la frappe. Oh, ça va se jouer à rien. On est sur une égalité là de nombre de vies. Oh, c'est le moment de mettre l'armure là, hein, si on veut survivre. Il reste deux ennemis, ok c'est bon, on a l'avantage là. Ok, il en reste plus qu'un. On attaque Abel. Bon, il est sur le point du coup le dernier, au moins on sait. Il doit être là, hein. Bah, il est forcément là, oui, dans la pièce d'à côté. Je n'y vois rien, donc je n'irai pas. Ok, il est là. Oh non! Putain, on aurait pu le tuer. Il est tellement bien placé, surtout il a la wallgun. Putain, 1v1. Oh, oh bah, vu là lui comment il se déplace, on a perdu, hein. Je suis dégoûté, je connaissais même pas ce spot là. Parce que du coup, si on aurait pu le tuer parce qu'il y avait le grillage, mais on pouvait tirer à travers. Bah, lui, il connaissait le spot, hein. Non, mais l'allié. Oh, l'allié, il a rien compris. Oh, oh mais c'est un niveau 1. C'est. Bah, le pauvre aussi. Oh non. C'est un niveau 1. Oh, je suis dégoûté, on a perdu. Oh non. On avait fait vraiment le plus compliqué. Il nous a sorti un V3 l'autre parce qu'il avait le spot ultra avantageux. Et surtout, il avait une très bonne arme. Oh, aïe, 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 aïe. L'allié, là, lui, limite, il dit « Oh, bah, c'est bon, gagné, tranquille. » Ah, non, ça se passe pas comme ça, malheureusement. C'est pas encore fini. Aïe, aïe, aïe. Par contre, attends, mais c'est vrai que moi, je suis à fond dans la game, là, mais j'ai même pas vu la variante. J'ai pas fait d'inspection parce que c'est un fusil d'assaut, donc là, on peut faire une inspection. Attendez. Faisons ça. Repousser, non, y a pas. Anticiper bah... et penser à la victoire. On peut pas faire l'inspection. Mais. Oh, tu vas me dire que c'est parce que c'est une variante d'arme, du coup c'est un peu spécifique et du coup tu peux pas faire l'inspection. Parce que normalement les fusils d'assaut on peut. Mais là on peut pas. Et en plus, si, parce que je l'ai déjà fait l'inspection sur la KGM40. Sans variante du coup. Mais je l'avais déjà fait donc ouais, ça doit venir de la variante, tu vas me dire. Oh. Les alliés ont demandé une tourelle. Quel échec. T'as une tourelle quoi? Quoi? Une tourelle? C'est quoi la tourelle? Oh putain, une tourelle! Oh bah c'est bon! Oh bah merci l'allié! Après, je vais dire, moi aussi j'aurais pu débloquer ce streak, hein, c'est juste que je l'ai pas équipé. Mais on était également en condition pour le faire. Enfin, là du coup, on les enchaîne face à l'allié. Et ils sont bloqués là. Hein. Ils ne peuvent plus rien faire, les pauvres. On les a dans un mouchoir. Capturé. Du coup, ça va me permettre de débloquer les chiens à nouveau, donc je pense ouais la victoire est bonne. Quand même un allié qui s'est faufilé là, ouais. Un allié, un ennemi plutôt qui s'est faufilé. Venez, venez ici encore. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. On va aller gommettre l'armure. Il ne reste déjà plus qu'un kill en plus pour les chiens. Pouf. Peut-être rusher du coup, on va prendre l'initiative là. Parce qu'avec l'armure, ça devrait être bon. Voilà, il m'a mis comme des dégâts. Bon, les chiens, du coup, faut que je les mette en prolongue. Oui, on va les mettre en prolongue, hein, parce que là, sinon, on pourra rien se garantir du coup. Alors que sinon, normalement, oui, on va se garantir une victoire. Sachant qu'on sera en quoi? On sera en défense, du coup, en plus. On sera en défense, normalement, pour la prolongation. Donc, on est vachement bien. Souffrez, les ennemis. Bon, là, c'est moi qui va souffrir. Non, c'est bon. Carnage! Putain, là, nous deux là, entre moi et le deuxième là, on fait le bordel dans l'équipe adverse. Ils sont dans le mal à cause de nous deux là. Sinon, les alliés ils sont à 17, 9 kills, tu vois, ils ont pas beaucoup de kills, mais nous deux, 42, 48 kills. Ah, les pauvres! On fait tout le travail là, on les défonce. Donc là, on est en défense. J'ai les chiens à bombardement, je vois pas ce qu'ils pourraient nous faire perdre. C'est impossible qu'on perde, hein, je vous dis. Impossible. Ah, dommage derrière. Allez, les chiens, faites le taf, on sort le bombardement aussi. Go. Bombardement allié imminent.
Si on pouvait les rebloquer là en même temps, ce serait terriblement bien. Hein. Ah, j'aime bien Bocage, moi, en contrôle, tu vois. Ah, j'aime bien. Ah, vachement cool, hein. Surtout quand t'es du bon côté. Ah, dommage. Parce que là, on est à combien déjà? On est à 26-22. Voilà, il faut prendre bien l'avantage niveau vie, là. Faire toute la différence là-dessus. En plus, peut-être qu'ils ont même pas la possibilité de capturer un seul point. Et pour alors, c'est trop trop bien. Oh non, les... Bon, ouais, par contre, les chiens, ils ont pas fait un énorme kill, j'avoue. Ils ont déjà été dessinés. Hop, la petite boule, ça c'est bien aussi. Ah, oh, il y avait un mec au top, dommage. On est à 25... Ouais, 25-17, normalement c'est bon, ils vont pas nous faire un retour de situation. De toute façon, pour moi, ils vont pas réussir à capturer, là. Hein. C'est très très mal parti. L'ennemi commence à mort. Hop, limite, je spot... je chope le spot ici, plutôt. Contact sur Able. Là, du coup, il doit être là, hein. Avec ça, peut-être Walgen, c'est peut-être lui, encore. Si je la mets là, ouais, ça va pas toucher, je pense pas, non. Voilà, tu vois, on s'est pas fait avoir deux fois, hein. Maintenant que tu connais le spot, là. Il leur reste 9 vies, ils sont cuits, les pauvres. Même s'ils capturent, ils ne pourront rien faire, les vies vont partir. Aïe, 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 c'est une défaite pour eux, là. C'est imparable. Oh, bah oui, il s'est fait fumer par... Décidément par le bombardement. Oh mais la Dream Team, je veux pour la partie d'avant tomber avec cet allié encore une fois, hein. Il faut qu'on soit ensemble. Hein. Je pense qu'on sera pas dans le même accueil en hein, tout court. Mais si on est dans le même accueil, remettez-moi avec lui, là on forme une équipe de choc, là, ce duo de choc. Oh là là, on les a démolis à deux. Hein. 52 kills, 57 pour lui, même plus de score. Let's go quoi. Juste dommage, on saura pas notre nombre de morts, il y a toujours le bug, hein, mais... c'est pas grave, c'est pas grave. Il est dans le poste. Bon, par contre, ils sont tous à la Walgen, faut croire. Bon, normalement, je suis dans les mentions. Voilà, je suis là. Let's go! Maximum de tirs dans la tête. Eh oui, il faut bien faire les headshots pour la KGM40. Votez pour lui! Voilà, 3-3, c'est parfait! C'est exactement ce qu'il fallait. Voilà, kiff kiff, c'est mérité. Oh, magnifique ça. Bon, on est passé parfois pas loin de la désillusion, mais on a eu quand même la victoire. Tout s'est bien passé, tout est merveilleux. Let's go! Bon, du coup, on va s'en faire une deuxième là de partie en contrôle, mais là, cette première a été vachement convaincante. Et ouais, surtout très convaincante aussi, cette KGM40. Bon, après, j'ai rajouté mon petit chargeur, mais à part ça, limite, c'est parfait. J'ai du coup, je pense, mettre le chargeur de base là maintenant pour cette deuxième game. Vu que j'ai une autre classe avec ce chargeur, donc c'est pas très dérangeant. Paradise pour la deuxième partie, intéressant. Alors là, faudrait peut-être que je mette un viseur quand même sur ma KGM40. Parce qu'on est quand même, je pense, confronté la plupart du temps là, à des situations de longue distance en étant sur Paradise. Je trouve en plus en contrôle, ouais, ça peut être davantage encore le cas. Donc je vais quand même commencer sans viseur, mais s'ils le font, mettre un viseur pour avoir encore plus de précision. Même si c'est vrai qu'avec du coup maintenant la suppression du chargeur qui me permet d'avoir plus de dégâts, mais qui m'enlève aussi beaucoup de précision, maintenant j'en gagne du coup de la précision. Bon après tu vois pas trop la différence avec le chargeur quand c'est le bon, celui de la variante. Parce que tu vois pas le crâne du coup il est sur le côté, malheureusement. Allez c'est parti, on commence encore en attaque. Ah yes, alors ils sont où les points du coup là? Ok t'en as un là, bah là du coup tu peux aller au top. Y'a un bon coup à jouer là pour or, hein. Tu peux du coup aller au top. Bon lui je l'ai vu. Il m'a sûrement vu, il m'a surtout entendu, je pense, mais attends, par où va-t-il passer? Je ne sais pas, on va peut-être faire le tour. Hein. Ouais, il est là. Hop. Ok, nickel. Alors, il a l'air d'avoir comme du monde à A, hein, mais A, je pense qu'on peut le capturer facilement. Après, ouais, mais mes alliés sont à B aussi. Ils ont l'air de faire le taf, vous savez. Mais là, en allant au top, je suis trop bien. Vas-y, ouais, je tente quand même de prendre le top. Hein, parce que c'est... Normalement, c'est dans la zone, je pense, hein, de capture. Ah non, j'ai rien dit, c'est pas dans la zone de capture, malheureusement. Ah bah tant pis hein. Faut pas avoir raison à tous les coups. Ouais bon du coup c'est plus délicat, mais j'avoue ça aurait été un peu trop facile aussi hein, de le capturer. Hein. Si ça avait été vraiment le cas. Je pense vraiment que je vais mettre un viseur, même si je suis pas trop en difficulté là, tu vois, mais ouais. Pour gagner en efficacité, le viseur, ça reste toujours la meilleure option. Ouais, y'a vraiment l'allié qui est venu. Oh là là, ça commence bien là. On a direct des objectifs players avec nous. J'aime beaucoup.
Donc, mais attends, mais ils ont déjà pris B. Ah bah oui, bah c'est fini là, du coup. C'est... Les carottes sont cuites là. Hein. On va les défoncer. En limite, c'est même pas satisfaisant de gagner aussi rapidement sur une manche. Je crois que t'es mort. Bon. Bien joué. Oh, mais ils sont que. Ils sont que 4. Ah non, 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 non. Ah non. Ah, c'est triste ça, par contre. Oh, faut que ça join. Bon, attends, moi je vais mettre un viseur en attendant. Mais faut que ça join là. On va mettre forcément l'Alphamoso Inu d'ailleurs. Mais je ne le trouve point. Il est vraiment. Ah oui, putain, il est aussi bas. Déflecteur ardoise. J'avais même pas fait gaffe qu'il se débloquait aussi tard sur la cage M40. Ah, faut que ça join, mais bon. J'ai peu d'espoir, honnêtement, que ça join. Hein. Là, il suffit qu'on les explose encore sur cette manche. Après, bah forcément, ça sera gagné pour la dernière quand on attaque. Ce sera qu'une formalité. Ça se voit par contre direct avec un viseur, ouais, j'avoue, c'est beaucoup mieux. Quand t'es sur une grande map comme ça, ouais, c'est beaucoup plus. Plus en mode à l'aise. Bon, attends, ça passe sur le côté AB là, on l'a vu, hein. En même temps, il a fait les kills. Ah, oh, ouais, mais c'est trop bien avec un viseur. C'est beaucoup trop bien. Bon, vas-y, je vais mettre direct le bombardement. Ça rien de rester traîné. Si j'ai les chiens, bon, on les mettra à la dernière manche, hein. Ce sera possiblement déjà la dernière, hein, malheureusement. Oh, personne. Hop. Oh non, mais l'efficacité. Oh là. Pourtant, l'arme a les mêmes stats. Hein. Non, je vise même plus lentement. Sans du coup le viseur que j'avais auparavant. Mais à côté, t'as l'impression de gagner, ouais. En dégueu, limite, alors que c'est pas du tout le cas. Effet placebo. Bon, attends, je vais mettre le drone. Moi, je serais pour qu'il capture un point. Hein. Mais j'ai peu de chance que il le fasse. J'ai trois moyens, tu vois. Oh, y a un mec qui essaye de passer dans le bac, là, on l'a vu. Hein. Super. Non ! Oh putain, il savait ! Oh, je m'y attendais pas. Ah, il avait sixième sens. Enfin, je sais plus, c'est pas sixième sens le nom, mais voilà. Le truc qui permet d'avoir un petit... petite lumière, là. Quand t'as quelqu'un qui te voit. Aïe, aïe, aïe. C'est fourbe, ça, comme atout. C'est fourbe. Ils vont peut-être prendre A, hein. Moi j'y vais pas, hein, toi, pour défendre, hein. Je veux qu'ils prennent A, coûte que coûte. Je tente un truc, vas-y. Trop loin, je pense. Non, trop loin. Let's go, ils ont capturé A. Ils sont combien, là? Ils sont toujours 4, pourtant. Hein. Eh, ça va, hein, ils sont 4, ils ont réussi à capturer. Oh. C'est une belle prouesse. Une belle performance. Ah yes, par contre... Putain, il nous jette une grenade gamone et moi, je fonce sur lui, quoi. J'étais pas au courant, aussi, hein. Je m'attendais pas à ça. Quel bel effet de surprise! Bon, maintenant ils sont cuits, hein, il leur reste. Ok, il leur reste 13. Eh, ça va, 13 vies, hein! Ah oui, après j'avoue! Vu qu'il y a moins de joueurs, quand même, ils perdent moins leur vie, hein! À ce niveau-là, plutôt! Ça me fait bégayer. Ils sont plutôt avantagés, c'est vrai. Via le nombre de joueurs, du coup, ils perdent moins facilement leur vie. Limite, ils pourraient nous avoir là-dessus. Bon, ils nous auront pas là-dessus, je pense pas, mais ils pourraient, hein! Ils pourraient. Ah, à rejoindre la partie. Ça fera plus de potentiel kill pour mes chiens, moi ça m'arrange. Ça m'arrange clairement. Parce que là on va pas en prendre dans le bac. Oh bah merci le respawn en face de nous. Oh, lui j'espère qu'il vient pas d'arriver dans la partie, sinon le pauvre. Le pauvre il se spawn kill, il vient d'arriver. On va... Ah bah merci, au revoir. Il quitte la partie. Il va pas très étonnant dans ces conditions. Non mais vraiment là on aura fait deux games de carnage, hein. C'était expédié en deux temps pour nous. Ah là là, on s'est fait plaisir, hein. Je vais pouvoir redébloquer les chiens en plus, hein. Ah bah non, j'aurais pas dû le dire. Mais du coup j'ai un nouveau bombardement pour la prochaine manche, donc... tranquille, hein. Tranquille. Ah bah il en reste plus qu'un de toute façon. Et il est au fond, on va aller essayer d'aller le chercher là avant que ce soit la fin. Non, je l'aurais pas. Il est tout au fond. Ah, dommage. Et 20 kills quand même. Je me dis qu'avec 20 kills, je m'en sors bien quand je vois que les autres joueurs, il y en a aucun qui dépasse les 10 kills. Hein. Ah, dommage, il n'y a pas le 6ème joueur en face là. Dommage. Ah, faut pas qu'on capture. J'espère que les alliés vont pas foncer sur l'objectif. Hein. Jouons un peu avec limite, on perd. Putain, si les alliés ils étaient vislard comme moi, ils laisseraient gagner là. Hein. Les adversaires, comme ça on plonge la partie et on continue. Là c'est plaisant, tu vois, donc faut faire durer le spectacle. Je suis pas sûr qu'ils vont le faire, hein. J'aimerais, mais je suis pas sûr.
Attention là par contre il y a du monde. Où ça? Ah y'en a. Ouh, y'en avait un, il nous a bien calé. Bon allez on met les chiens, hop. Après ils vont peut-être réussir à défendre parce que voilà maintenant on est 6v6 donc hey, je suis peut-être en train de les sous-côté, au final ils vont s'en sortir à bien défendre hein. Sous-côté ces ennemis, attention. À tout moment ils nous la mettent à l'envers et ils nous font un 3-2 au final. J'y crois pas une seule seconde. Hop la petite quad, ça fait plaisir. Les chiens ils ont l'air un peu plus efficaces là quand même hein. Un peu plus réveillés. Ouais par contre non je vais pas AB moi aider l'autre parce que sinon on va gagner. Putain on va déjà capturer hein, c'est fini. C'est limite pire je crois en fait qu'à la première manche parce qu'on va les exploser en niveau capture. Hein. Oh là là. Ah ouais il va capturer B, il va finir le travail. Hein. S'il te plaît meurs avant là mais je crois pas. Hein. Ça m'étonnerait. Eh non. Ah Drash ça a été expédié là. Ah mais j'étais du retour 4. Ils étaient de retour 4 les pauvres. La malédiction de l'équipe adverse. Oh non. Bon bah moi, let's go hein. La petite roulade, voilà, comme ça, ça fait de l'effet. La petite Lucam. Eh bah incroyable en tout cas la KGM40 là quand t'as le viseur. Pour les grandes maps, je retiens, c'est plus que qualitatif là. Hein. Impressionnant. Élimination multiple, 16 éliminations multiples. Le trou. Bon, je sais même pas combien de temps elle a duré cette partie parce que ça a paru très rapide mais c'était peut-être pas le cas. Je suis sûr que c'était pas autant disputé que la précédente. Hein. Bon dans tous les cas je pense qu'on ne fera pas d'autres parties. On en aura fait deux quand même, c'était vachement sympa. On a au moins là je pense 25 minutes de gameplay. Oui je pense à pas mal de choses, je fais mes petites prédictions. Mais ouais, la game elle a dû durer au moins 10 minutes hein, malgré que c'est passé très très vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, de commentaires et de partages. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment. Très très sympa, en tout cas, ces games de contrôle. On a des bonnes récompenses aussi avec le palier 100. Avec une variante quand même qui a des très bons accessoires à la base. Et ça, c'est important. Après, oui, c'est vrai que l'apparence de l'arme compte. À ce niveau-là, c'est un peu moins bien vu qu'on voit pas grand-chose, de toute façon, quand on l'a in-game. Mais les accessoires sur l'arme, impressionnant. Le skin est quand même très réussi aussi sur Anna. Là-dessus, on n'a pas à dire grand-chose. Et les petites récompenses à côté, emblèmes, porte-bonheur et tout, sont également plutôt réussies. Donc on a quand même un bon lot de récompenses avec ce palier 100 de la saison 2. Et je vous dis donc bye, tout le monde. Oh yeah.